23 piges, je débute mon texte. La vingtaine, mais bientôt un quart de siècle. Le temps passe à une vitesse, comme des études en BTS. Je me sens actrice dans un film de merde, pas dans un X, un documentaire où je suis le personnage principal, comme les félins dans Monde Animal. J'écris ce qui me vient en tête, sans trop réfléchir pour une fois. Ce putain de temps qui passe m'embête. Un choix de vie ou une vie de choix. Une mamie, un passage piéton. Une voiture qui feinte de s'arrêter mais non. Une lenteur dans son corps l'envahit. La vitesse autour d'elle la hurie. Je me sens spectatrice d'une vie d'aussi lettrice. Je veux essayer de penser au positif, comme lors d'une année sabbatique. Un nuage de fumée m'envahit, se dessine dans les airs un mois vieilli. Autour de moi des gens en fast motion et moi en mode slow motion. C'est quand j'ai vu papa, maman, tous deux avec des cheveux blancs que j'ai compris que le chemin de vie se poursuit assez vite. Il est quelle heure? Seulement 22h. Comme si t'avais que ça à foutre, foutre ta vie en l'air. Je vis dans une société dynamique où il faut tout faire trop vite. Dans cette ère du numérique où la pratique laisse place aux algorithmes. Quelle société suis-je née? Celle de 9-9 a bien morflé. Des politiques au suicide, de la République au Covid. Rien ne va plus, j'ai l'impression. Je me sens comme un poisson enfermé dans un bocal qui a la dalle. Les années passent, le temps défile sur ma montre, les aiguilles dérivent. Dans le sens inverse, est-ce mauvais signe? Libre à moi de tracer une nouvelle ligne. Qu'est-ce qu'il me reste du haut de mes 23 piges? L'amour à bâbord me donne le vertige. L'humour à tribord me rend forte comme Monsieur Kyle dans ma famille d'abord. Je repense à cette mamie qui trouve que tout va trop vite. Elle a raison, c'est avec elle que je suis. Au milieu de tous, nos deux histoires se lient.